toujours en moi alors que tu me savais morte, Jack. Pensais-tu trouver mon pardon? Sors de ma tête! Tu n'es pas Nicole! T'as réussi. Il regarde en moi, Isaac. Strauss, dans les trous dans moi. Écoutez-moi, ok? Arrête du ça. Calme. Me regarde plus. Du calme. Isaac, il faut qu'on s'en aille d'ici. Oui, on y va. Oh la vache. C'est pas possible. C'est les Chinois. Ouais. L'ancienne merveille de la CEC. Une triste histoire, en fait. Ils sont tous morts là-dedans. Une sorte d'attaque terroriste. Quoi? Une attaque terroriste? Ce qui s'est passé à bord n'avait rien de terroriste. Comment ça? C'est là que ça a commencé. Tout ça, c'est déjà arrivé dans ce vaisseau. J'ai tout vu. J'étais à bord quand tout s'est... Ah oh! Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Quelque chose bloque la voie. Restez là. Je vais voir. Ellie, il y a un tentacule géant qui bloque le transport. Tout autour, c'est le Rangis. Une pompe. Trichlorure d'azote. Ça explose avec la chaleur. Parfait. Ça marche. On a passé. On se rejoint plus loin. C'est bon, je te vois. On se retrouve devant. J'admirerai votre obstination, Monsieur Clark. Mais tout ça est plus important que vous. N'importe quelle personne sur cette station. Chef, tout est prêt pour l'évacuation définitive. Alors c'est bien. Désormais, tout n'est que poids mort. Isaac, c'est quoi ce charabia? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par poids mort? Il se sert du rayon solaire. Il faut arrêter ce truc, vite! Oh, merde. Il a coupé la station en deux. On peut plus avancer. En arrière. On retourne à cette station. Mais pourquoi? On y va, Ellie, c'est tout. Oh. Les Chimura, si les systèmes de gravité fonctionnent toujours... T'as l'intention de tracter ça jusqu'ici? Isaac, arrête, c'est ridicule. Si je réussis à aligner les voies pendant quelques secondes, tu devrais pouvoir traverser. Tiens-toi prête et prends soin de Strauss. Isaac, non. C'est complètement insensé. Et comment? Je suis plein d'idées insensées. Thank you.
Il doit encore y avoir un ordi à l'embarquement. Je pourrais consulter les statuts. Comment ça va? Tu as l'air un peu nerveux. La dernière fois, ça s'est très mal passé. Bon, je te recontacte. Centrifugeuse est en réparation. Je vais devoir descendre à l'ingénierie. Ça risque d'être intéressant. Est-ce que ça ira? Ça m'étonnerait fort. Je te tiens au jus.
Surtout fais attention. Je te dis quand ça remarche. Attention. L'ingénierie n'a pas terminé la décontamination. Rapport de recherche, analyse de substances organiques. Plusieurs découvertes étonnantes concernant la matière retrouvée dans les Shimura. D'abord, c'est de l'ADN humain. Ensuite, plus intriguant encore, la proximité du monolithe la réanime. La seule conclusion possible est que tout l'équipage de l'Ishimura a été infecté puis reconstruit avant d'être réduit à l'état visqueux quand le monolithe DG7 a été détruit.
zone sans gravité. Centrifugeuse activée. Je retourne à la station de tramway. Ok. Nous sommes presque détachés des rails magnétiques. À bientôt. Lancement de la décontamination. Commence à m'inquiéter. Écoute. Je n'aurais pas lui. Si c'est lui. Vous n'avez pas suivi les étapes. Pour ça, Rose. L'aiguille vous montrera. Rose, tournevis. Strauss, Ellie, merde.
claque. Ça fait mal, ce con m'a mordu. Quoi? Oh merde. Est-ce que ça va? Je vais bien. Mais il parle plus et il veut plus me regarder. Et de ton côté, j'espère que ce plan va fonctionner. J'y suis bientôt. Je vais à la passerelle pour activer les rayons tracteurs. Ok. Ils arrivent par l'unité médicale. Tu ferais mieux de la contourner. Obstacle repéré sur la voie. Mise hors tension. Bienvenue à l'unité médicale. Merde.
entrée zone sans gravité. Du capitaine. Ok. La centrifugeuse tourne à pleine puissance vu d'ici. Bien. On croise les doigts, ça va pas être facile. T'es prête ? Je le suis. On y va quand tu veux. Initialisation, éjection. Décollage. 2, 1, 0.
C'est vrai, Isaac. L'Ishimura est extraordinaire. J'ai de la chance de servir à bord. Tu m'as bien aidé. Prends soin de Strauss, putain de merde!